Wasser vom Bach sind und ist laufen. Nur danke ich schon viele Viven, die Jahrhunderte da lang den Waschstein gewaschen haben. Du siehst, quand je vois passer l'eau de l'Obac, je pense à ces milliers de femmes qui pendant des siècles là étaient agenouillées à ces lavoirs. Mais pourquoi agenouillées? Elles faisaient leur prière? Prière, was prière, nix prière. Gewaschen haben sie, Hamburghose, Unterhose, Livle und so Dings, Lave und so, verstehst du, auf Rote? Chemise, pantalon, couche pour le bébé, etc. Mais pourquoi elle ne mettait pas tout ça dans la machine à laver? C'est plus simple, non? La machine à laver dans ce schnittloch? Tu crois que ta grand-mère avait une machine à laver? Nix Thompson, Bendix, Miele, Stiele, ou de belle épaisseur, heisse. Ici, tout était lavé à la main et frotté. Suivre, tu m'as dit, on se réveille. On n'était pas des mâles propres dans le temps. Mais l'eau n'est pas un peu dégueulasse parfois? Ça? Ça, c'est de l'eau de source qui descend du bon du climat. Et elle se purifie en descendant. Si quelqu'un y jette des choses, ou fait pipi dedans? Bah, c'est pas grave. Tu sais comme on dit chez nous, et je pense à l'eau de qui läuft, c'est votre Stein, et je vais te suivre en rein. Papy, tu parles comme un poète. Weich, j'ai encore appris une chanson, je peux? Mais bien sûr, ça me fait plaisir. Der Ranzem schnuckelor, t'arrête ta chine, freu. Si ich ne krumm, si ich ne krat, si et ta or, je vais voir la rote. Der Ranzem schnuckelor, t'arrête ta chine, freu. Bravo!
encore en hiver quand l'eau du ruisseau était gelée? En hiver? On faisait des économies, n'est-ce pas encore? On gardait la même chemise deux semaines ou trois au lieu d'une. Et les draps du lit? Les draps du lit, on les lavait au printemps. Puis ça séchait mieux aussi. Mais tout le monde venait laver ici? Sur le seau, pas seulement ici. Il y a dans le village plus de 70 lavoirs, Waschtein comme on dit, et ils sont toujours là, même si la plupart ne sont plus en service. Donc le port, c'était pour la lessive? Oui, mais pas uniquement. C'était pour la lessive, mais il faisait aussi tourner 7 moulins. Il servait à irriguer les prairies et d'abreuvoir pour les animaux. Il servait aussi de réservoir d'eau en cas d'incendie. De tout temps, l'eau a été primordiale pour l'homme. C'est pour cela que nous devons la préserver. Et elle doit rester propre. Nous, Kenayo, tu vas chouvoir nos langues, tu vas chouvoir. Bravo, tu as tout compris. Ta rente, c'est m'chno, que l'or t'arrête à chez lui, froid. Si est ch'n'est cron, si est ch'n'est cron, si est ta or, je vais voir y'a ro. Ta rente, c'est m'chno, que l'or t'arrête à chez lui, froid. Ta rente, c'est m'chno, que l'or t'arrête à chez lui, froid. Hé, Tanguy, tu viens jouer avec nous sur l'arbre? Va sur l'arbre, mais il n'y a plus d'arbre. De pour un méchant croyavoura, on en a fait du petit bois. Et de toute façon, je n'ai plus la joie des gamins comme vous. Bouffon, c'est pas parce que tu as quelques années de plus que tu dois faire le Wikipédia, tu te prends pour qui? Allez, viens. C'est vrai qu'il est plus là, là. Pourquoi? Peut-être que ça lui plaisait plus ici, alors il a déménagé ailleurs. Manard ne peut pas déménager. Il est enraciné, il reste en place toute sa vie. En tout cas, il me manque comme aux oiseaux. Et comme aux lavandières. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Je n'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Je n'aurais jamais dû le quitter les yeux. Dis papy, toi qui sais tout, il est où l'arbre? Ben, tu l'as dit tout à l'heure, à Rich-Hop-Koyevora. On l'a coupé parce qu'il devenait dangereux. Buffet, comme on dit chez nous. Coupé? Jamais rien fait à personne et il n'était pas menaçant. Oui, mais il paraît qu'il était malade et qu'il risquait de casser et de tomber sur le lavoir en cas de tempête. Oui, mais quand il y a la tempête, il n'y a pas de lavandière au bord du port. À propos, papy, toi si tu deviens plus félique, on te garde quand même, hein? Oui, mais moi, c'est pas pareil. Quand même, c'est dommage, on va pas en replanter un autre? Ah, j'espère. Chouette, alors pourquoi de nouveau jouer sur ces branches? Oui, mais entre-temps, ce sera toi, le papy. Oui, bon, on n'est pas pressé, hein? Oui, tu sais, un arbre, ça peut prendre des décennies, parfois des siècles, pour atteindre sa vraie taille. Et puis un jour, c'est Charles Drurik, il dépérit. Alors, on le coupe un coup de tronçonneuse, et il est à terre, il disparaît. Et sa mémoire avec? Hein? Un arbre a une mémoire? Et comment? Et celui-là? Avec sur son tronc la marque de la crue centenaire de 1945. Je peux filmer 20 minutes. Tu peux demander à André Klein, je fais les 20 minutes. Et puis, ce brave marronnier, garde le souvenir des terribles guerres mondiales. Et je sais qui c'est. Allô? Oui. Tu as des souvenirs plus plaisants? Par exemple, tous les cancans qui se sont racontés à ces lavoirs. Et puis, les mots doux que s'échangeaient les amoureux les soirs de Kilb sur le Tsemoplotz. Il y a des Chervillerois qui pressaient leur conquête si fort contre le tronc qu'ils penchaient de plus en plus vers la rivière. Slang, papy! Je te mets dans de drôles d'état, là, hé! Ouais, bon. Das Zeug, sag ich, der Mann stand noch nicht heim, guck mal. Man braucht auf die Teil, tout le monde t'attend à la maison. Ja, mais, il m'a ignoré dur qu'il, tu crois que j'ai mal entendu, qu'est-ce que tu dis? À la maison, hop, heim, on rentre. Ja, hey, va rétat à tous à auto. Qui c'est qui porte quand tu l'autre à la maison, toi ou moi? Écoute-moi, j'en ai marre qu'il chante dans ce vol, mes dires. Et tu sais au moins que tu es marié? Oh yeah! Pas les ch'tis, c'est comme tu n'aurais de rire. Quand je te vois, je me le rappelle que je suis marié. Ha! Tu devrais être reconnaissant au ciel d'avoir une femme comme moi.
dann so einliebendig hast du gar nicht verdient. Oh nein, das habe ich gar nicht verdient. Ah non, ça j'aurais pas mérité. Toi, tu devrais être content d'avoir trouvé un soi simple, un imbécile comme moi. Was? Content mit einem Mann, der das ganze Vermögen versüfft? Un mari qui dit la vie, tous mes liens? Hey, tes liens? Mais c'est aussi les miens. Einer, der sogar das Ehebett verklopft hat, la même pendu le lit conjugal. Hey, comme ça tu dormiras mieux! Plus un seul meuble à la maison, quel meuble métal X ménis! Beaucoup plus facile pour déménager, parce que mon plan. Vier junge am Hals hängen, quatre gamins sur le dos. Hé, hey, oh, allô, pose-les par terre. Ja, und was essen Sie? Stock, Salat und Herlantifi. Aber jetzt sagst du, dickst noch, du sprachdachst, du stampst nass, du fiesen Flacker, was glaubst du von mir? Hä? Auf mich wiebeln. Was mit wiebeln? Nix mit wiebeln. Weil du jetzt nicht mit mir heimkommst, so vertreibe ich dir deine Kette. Si tu ne rentres pas avec moi, je piétine ton Kette. Donc, qu'est-ce que le spectacle? Tu vois pas qu'il y a du monde? Ça m'est égal. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis comme moi je le pense, compris et comme je le ressens. Sieh, so Gott Alfo soll zu ihm ha. Ja. Tous les mêmes, ces hommes, tous, ceux qui sont là et ceux qui sont là-bas, tous les mêmes. Ach so, schlimm muss heute wieder nicht sehen. C'est pas si grave quand tu le crois. Et puis, n'oublie pas que tu es responsable de la rondière. Le public s'impatiente, n'est-ce pas le public? Das ist mir aber egal, ich los mich jetzt scheiden, ich bin in Bienen, ich habe die Nase voll, ich gehe Furchtverteilung, er soll sich gerade rangieren mit seinen Jungen, soll gerade machen, was er will und auch andere führen, was ich will. Hörfuss, ich habe es mit Ara. Je crois que j'ai tiré le mauvais numéro de Salamolz. Attitude, Salma la Kibota. Ne t'en fais pas, les autres ne sont pas meilleurs. Ça, c'est vrai. Tu sais comme on dit chez nous. A jedem einen nicht schlacht, wir sehen die besser als d'autres. Du glaubst gar nicht, was du alles schlachtst, du und an der Waschstein erzählt hast. Tu ne t'imagines même pas tous les méchancetés qui se sont racontés à ces lavoirs. Hé, hé! Oh, Alphonse a scellé l'avant-hier. Maintenant, c'est à moi de jouer. Ben, voilà. As vos pecans que mort, avise à la population, voilà de chers mineurs les joyeuses lavandières. Oh.